et bonsoir, merde. Voilà. Alors, le jeu il s'affiche pas, moi aussi il va finir par s'afficher. Merde. Non, pas mode clavier, non. Retour. Voilà. Je l'ai mis comme ça le jeu pour l'instant. On va voir s'il s'affiche sur tout l'écran, s'il s'affiche pas sur tout l'écran. On changera, il n'y a pas de souci. Le jeu est extrêmement fort. Il n'y a pas de paramètres pour le PC, je vais passer par Windows. Coucou Virginie, comment tu vas? Ah oui, par contre... C'est pas bon, on va passer par là. Paramètres audio, oui, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il est où? Il est là. Est-ce que c'est ok pour vous le son là? Je pense que ce n'est pas mal. Voilà. Alors, Blue Fire, c'est un jeu qui m'intéresse depuis qu'il est sorti. Enfin, même quand ils l'ont annoncé dans un trailer. Je crois que je l'ai vu, c'était dans un Nintendo. Comment ils appellent ça? Les trucs qu'on voit les jeux indés là. Un truc direct ID là ou je sais pas quoi. Et j'avais beaucoup aimé la DA. J'avais bien aimé le gameplay. Le seul truc qui m'avait freiné, c'est que j'avais un peu peur qu'il soit très dur comme jeu, puisque c'était un peu présenté comme étant des Hollow Knight. Et bon. J'ai pas très envie de jouer à ça, mais c'est aussi présenté comme des Zelda. Il m'intéresse beaucoup plus. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est vraiment. Ce soir ce sera full découverte. Si le jeu me plaît, on continuera sur un gameplay dessus. Si ça ne me plaît pas, on switchera de jeu. Sachant qu'en ce moment, j'ai très très envie de jouer aux Harry Potter. Donc je pense que le prochain jeu, enfin quand on finira un des jeux, on passera sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je dois le faire sur PC. Je dois aussi le faire sur la GameCube. Je l'ai sur les deux. Il faudra aussi qu'on fasse le 3 sur PC et sur GameCube. Et j'ai aussi Harry Potter, Coupe du Monde de Quidditch. Celui-là, je pense, on fera juste une découverte ensemble, parce que ça va vite vous gaver, je pense. Mais c'est un jeu qui a beaucoup marqué mon enfance, donc voilà. Et pourquoi on fera des Harry Potter? Oui, merci Indie World, Virginie, c'est ça. C'est là-dessus que j'ai découvert Blue Fire. Et on fera du Harry Potter, parce qu'en ce moment, j'ai très envie de jouer à ça, parce que j'ai très envie de jouer surtout à Hogwarts Legacy, qui est le jeu que j'attends le plus cette année. Donc voilà, ce sera en attendant ce jeu, on fera ça, sachant qu'en plus je dois me faire opérer encore au mois de janvier. Donc voilà, il y aura encore des petits temps où je ne serai pas là, etc. Enfin une semaine, j'espère pas plus, on verra. On verra, on verra. Donc pour l'instant, on est sur Blue Fire, qui est donc normalement être comme un mélange de Zelda et Hollow Knight. Donc on va découvrir ça ensemble. Comment ça fichier au début? Ah, ok. Save 1. Stream. Ah, bon, bah, ça ira très bien. Nous confirmons. On va jouer en régulier. Hein. Pour les nouveaux joueurs, oui, ce sera très bien. Ah ouais, vraiment Virginie, là, je vais passer ma vie dessus. Je sais que j'avais dit que je le streamerais pas Hogwarts Legacy, mais je suis en train de m'organiser pour le stream. Oui, j'en parle juste après la cinématique, j'ai prévu des petits trucs et tout. Ok, la cinématique fut courte.
Ok, attaquer avec X et bouger la caméra avec R. Donc oui, j'ai prévu normalement de streamer Harry Potter Hogwarts Legacy. Sachant que je l'ai précommandé en édition de luxe, donc j'ai l'accès anticipé de 72 heures. J'ai contacté sur Facebook les gens qui... Enfin, la page Facebook du jeu. Coucou Pirika, comment ça va? J'ai contacté la page Facebook du jeu et je leur ai demandé si c'était possible de le stream en accès anticipé. Il n'y a pas de dash? Si c'était possible de streamer le jeu en accès anticipé. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Du coup, parce que moi à la base, j'avais pas envie d'attendre 3 jours pour le streamer. Ah oui, ça fait mal, ok. Pour commencer à y jouer et tout, c'était niette. Et du coup, ils ont dit non, mais pas de souci, vous pouvez le streamer tout de suite. Du coup, je me suis dit, bah, let's go, j'ai envie de le streamer et tout. Le problème, c'est que c'est un mardi. Du coup, j'ai essayé de négocier un peu avec JM et tout ça. Normalement, c'est ok. Je pourrais le streamer. Du coup, là, ça dépend en fait, parce que je sais pas à quelle heure le jeu sort. Mais moi, enfin, genre, il est sorti depuis 1 minute, il est téléchargé, il est lancé. Hein. C'est clair que la minute 1, on est en stream dessus. Hein. Le 7 février, Harry Potter Hogwarts Legacy. Carrément trop bien, tu le prends. Oui, je l'ai pris sur PC. J'ai beaucoup hésité avec la version PlayStation. Je l'ai pris sur PC, mais je pense que j'y jouerai à la manette. Voilà. Je l'ai pris sur PC et... Oui, il y a le temps, malheureusement, mais du coup, le 7 février, je serai dessus avec l'accès anticipé des 72 heures. Mais je sais pas s'il sort à minuit pile, mais s'il sort, par exemple, le lundi soir à minuit, enfin, entre le lundi et le mardi à minuit, minuit, on est en stream, hein, on est là. Et c'est go streamer, peut-être, jusqu'à ce que je tombe raide mort de fatigue. Hein. Le sujet a semblé bouger pendant quelques temps, mais il fut rapidement corrompu. Les pages suivantes sont illisibles. Perso, je prends sur PC en espérant qu'il soit compatible Stream Deck. J'ai pas regardé si c'était marqué. Dis donc, il fait très bien. Oui, ça ressemble beaucoup. Restez à l'écart. Produit chimique inflammable. Ah bah j'ai déjà tout pété. Quoi ça? Ah, smart. Je n'y avais pas pensé tout seul. Oula, quelqu'un est mort là? Ok. Journal de Narus. Ne lisez pas ça. Jour 810, j'ai l'impression qu'on fait la même chose depuis des siècles. Je crains que les autres ne soient en train de perdre espoir. En effet, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je pense. J'espère que Ikrios sait ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, je peux m'accrocher au rebord. Comment ça? Mais je peux m'accrocher au rebord ou pas? Ok. Ok. Mais pourquoi j'ai des petits... C'est juste des trucs que je peux casser en fait. Un peu décevant du coup. Dangereux. Ne pas toucher. Ah. Ah, c'est un peu... Ah, ok. Impossible de transporter plus d'essence de feu. Très bien. Aïe! Mais ouais, du coup, j'ai vraiment très très hâte qu'ils sortent. Et du coup, je vous disais, mais il y a tout le monde qui est mort. À la minute 1, je serai en stream dessus, mais je serai pas tout seul. J'ai demandé à Anna, qui elle aussi va jouer, genre à la minute près, d'être en vocal avec moi et on découvrira le jeu à deux du coup. Et je vais essayer de m'organiser pour faire une commande dans le chat et genre que vous puissiez peut-être switch sur sa partie si elle est ok. Qu'elle me streamerait sur Discord puisqu'elle l'a pris aussi sur PC. Comme ça, si et moi je pourrais switch aussi si jamais elle a envie de nous montrer un truc, etc. Qu'elle découvre un truc, etc. Donc je suis en train d'organiser tout ça. Voilà. Mais j'ai vraiment très très hâte. Et du coup, en attendant, forcément, je m'étais dit qu'on pourrait jouer aux anciens Harry Potter qui sont sortis. Notamment le 1, on l'avait déjà fait en stream sur les deux consoles. Sur PC et sur console. Mais le 2 et le 3, on l'a pas encore fait. À partir du 4, je ne le ferai pas parce que pour moi, c'était la descente aux enfers des jeux Harry Potter. Ah, c'est une pile de cadavres, je n'avais pas vu. Ok. Mais voilà. Donc j'avais prévu tout ça. Donc ouais, ça c'est se déplacer. Ok, ah oui, c'est que des cadavres, putain, ok. J'avais pas vu.
Appuyez sur A pour sauter et maintenez enfoncé pour aller plus haut. Ok. Tour sud de l'alchimiste. La porte est bloquée. Tour de l'alchimiste. La porte est bloquée. Très bien. Garde manger. La porte est bloquée. Tout est bloqué. C'est bon, on a compris. Restaurer la santé. Ça dépense quoi? Ah, ça dépense des trucs bleus. Merde, attendez, je vais chercher les autres. Hein. Où est-ce que d'en avoir besoin? Je peux pas courir, genre. Oh putain, mais quel trou du cul. Écoutez, c'est pas grave, on va se soigner. Voilà. On est bien. On est full, on est bien. Is ok. Ça, on l'a lu. C'est vrai que ça fait très Breath of the Wild, les trucs noirs. Oh, il nous faut une clé! Utiliser la clé? Les clés peuvent être utilisées une seule fois seulement. Bah, de toute façon, on n'en a pas en fait, donc. Dortoir côté ouest, les membres de la garde uniquement. La porte est bloquée. Attaquer, très bien. On va bien se faire attaquer par un truc à un moment donné. RT pour sprinter. Ok. Oula! Ah oui, c'est un dash en fait. C'est des os. Ça donne rien. Impossible de transporter. Ouais, ok. Ok. Okay. Ah, une créature. Réceptacle d'âme requis. C'est pour voir la porte, j'imagine. Putain. Est-ce que je peux passer à... Ça me semble un peu loin. Ah mais attendez, je peux courir, c'est vrai. Hihi. Moi c'est un dash en mode... Ok. Alors, LT... Ok. Ok, ok. Comment j'arrête? Ok. Oh, il y a un coffre. À la pas du gain, c'est toujours la même punition. Hein. Merde, comment je... Bref, cette merde. Comment on fait pour parer? On peut pas? Genre une touche esquive ou non? Un bouclier. Une protection magique fabriquée par le garde de feu. Protège des dégâts et reflète les ténèbres. Très bien. Ténébé. Ah oui, d'accord. Ok.
Ah, la clé. Non, je pense qu'il faut aller prendre la clé. On n'a pas été voir de l'autre côté par contre. D'aller voir un petit coup d'œil. On est pas mal. Oh, c'est quoi ça? Voyageur des terres. Lorsque tu es face au mal, ne sous-estime pas l'importance des émotes. Évitation, nouvelle émote déverrouillée. Comment on fait pour faire les émotes? Ouvrir le menu émote rapide. Nice. Ok, je sais pas trop encore à quoi ça va nous servir. Bah, tu es vivant, toi? Tu veux pas me parler? Bonjour, voyageur. Je m'appelle Beethoven. Je ne suis qu'un modeste flûtiste qui regarde ce paysage incroyable. Le vent sur ma peau. La lumière au loin, incroyable. Vous pensez vraiment qu'à l'époque, il y avait des gens qui vivaient là-bas? Doremi. C'est... Ok. On n'en sait pas beaucoup sur le lore, hein. C'est un peu... C'est très très fin du monde, hein. Déverrouiller. Utiliser la clé, bah oui. Hein. J'avais pensé, j'ai pas mis. Voilà. Ah, il y a encore un ennemi là-bas. Putain, il m'a défoncé. Comment ça? Ça marche pas? Le bouclier qui marche pas très bien. Is ok. Qu'est-ce que quoi? Aïe. Mourir dans mon... Ok. Pareil, combien que la statue là-bas va se transformer en boss? Von, garde de feu, guerrier des ombres et de la lumière. Pendant très longtemps, je vous ai attendu. Je m'appelle Von. Je suis le dernier garde du feu, en vie. Le seul survivant du raid du fort embrasé. Pendant des siècles, j'ai effectué ce qui ressemblait à une tâche insensée. J'ai protégé ce fort abandonné au nom de la garde.
J'ai protégé une fois sans espoir. Mais maintenant, vous êtes là. Penumbra a besoin de vous, guerrier. Le temps nous échappe alors que nous parlons. Cette pierre brillante derrière vous, c'est une entrée du vide. Au fil de vos voyages, vous rencontrerez de nombreuses entrées du vide. Ça sert à quoi? Ces portes s'ouvrent sur un royaume oublié, connu sous le nom de Vide, sans déconner. C'est là que nos ancêtres s'entraînaient. Vous devez rechercher un maximum d'entrées du vide. Utilisez-les pour embrasser le vide et chercher le pouvoir de notre ancêtre. C'est le seul moyen pour vous de montrer ce dont vous êtes capable. Et de vous emparer du pouvoir secret des gardes. Guerrier des ombres et de la lumière. Quand le moment sera venu, on se reverra. Ok. Attendez, parce que ça, j'ai un peu peur, ça me téléporte. Je vais aller voir la porte là. Voyageurs des terres, lorsque vous ferez face au mal, ne sous-estimez pas l'importance des émotes. Souhaitez-vous apprendre une nouvelle émote pour 200 minerais? Vas-y. Techno. Ok, je sais vraiment pas à quoi sert les émotes, c'est terrible. Tour sud-ouest, la porte est bloquée, super. Bon allez. On va partir dans le vide là. Hop, let's go. Merde. La grâce de Lula. Quoi, c'est un point de passage? C'est très juste. Ok. Pour l'instant c'est ok, mais putain, c'est tendu. Hein. C'était bien ça qu'il fallait faire. Il y avait un truc à récupérer là-bas? Apparemment pas. Ça fait très 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 Zelda. Hein. Pour le coup... Ça me fait penser un peu à, dans les parties où il faut réunir les perles de lumière, etc. pour déclencher la... ramener la lumière, etc. Oh, on a gagné un cœur. Let's go.
Entrer dans le vide, j'ai eu un succès du coup. Ok, du coup ça me sauvegarde ce qu'il y a dedans. Terminé, très bien. Continuons. J'arrive où toutes mes perles sont tombées là. Non, peut-être pas. Non. Un méchant. Ça me perturbe beaucoup qu'il n'y ait pas une esquive de temps. Une espèce de contre-attaque en fait. Ok, bon, comment on va monter maintenant? Par là. Oula. Faut vraiment monter, j'ai envie d'éternuer, je suis désolé. Quoi? J'ai troll, j'ai troll, j'ai troll. Ok. Bien. Non, 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 non. Et oui, il n'y a pas besoin de dash du coup. Ouais, c'est limite. Ah oh, putain, le levier. Faut le faire deux fois. Non. Ils sont sérieux là? Qu'est-ce que... Je suis coincé, non, c'est bon. Non. J'aurais dû laisser les caisses et monter dessus pour revenir, je pense. Allez, lâche-moi. C'est bon, il est passé. Et c'est quand même pas facile facile dès les premiers niveaux, je trouve. Ce petit timing là, c'était un peu... Un peu dur quoi. Enfin, un peu dur. Ça va, on a réussi mais...
tout regarderai, cette porte se bloquer. Je pensais que ça aurait activé un truc. Oula. C'est très chiant ça. À l'aide. Ah, l'emplacement du mob était horrible. Ok, il y a un nouveau truc là-bas. Et en haut, il y avait quoi? On sait pas. Je pense que c'est des trucs de réapparition. Statue de l'hôtel du feu. Se reposer. Ah, c'est un truc de sauvegarde, ok. Très bien. Mais, il faut mourir. Ça va. C'est quoi ça? Qu'il faut que j'aille, c'est ça que tu es en train de me dire, à l'opposé de là où je suis. Alors, LT, lâcher la commande de mouvement et sprint, ok. Sprint, putain, je suis trop con. C'est trop bien ça. Ça va, y'a pas le tic-tac. Il y a une statue là-bas, mais j'ai cru avoir un autre truc comme ça en face. On va quand même essayer d'aller voir la statue. Voyageur des terres, lorsque vous ferez face au mal, ne sous-estimez pas l'importance des émotes. Souhaitez-vous apprendre une émote? Oui. Célébration. Oh, un truc du vide. Difficulté 2 étoiles sur, sur une. On va essayer. Il pleut. Ah yes. Yes, yes, yes. Déjà, ce qui est cool, c'est que celles qu'on a ramassées, on les a ramassées. Hein. Putain, c'était juste ici. Ça tourne très vite, dis donc.
Ok. J'ai l'impression d'en louper, mais visiblement non. Bref. Ok, c'est bon. Tout va bien. Oula. Bon, c'est pas mal, mais je sais pas, pour l'instant ça manque un peu de lore à mon goût. Je les ai tout au moins, oui, ça. Ouais, je suis pas. Je trouve la DA un peu terne. Pourtant, j'aime beaucoup la DA, mais c'est vrai que de mémoire, les couleurs étaient un peu mieux. C'est gratuit, je vois ça. Et là, je trouve ça très, très, très terne. Mais. Pourquoi pas? Bon, lui, il est trop loin. Comment ça, j'ai laissé des sous ici, moi? C'est pas mon genre. Ok. Tu penses que c'est quoi le souci? Merde, oh putain, je me suis éclaté. Il me saoule, lui. Et ça fait très peur, par contre, quand il saute partout, là, tout seul, là, je suis pas convaincu, convaincu. Bah, je suis au début du jeu, j'aime bien, mais bah, il se passe rien, quoi. Un peu. Moi, pour moi, il me manque du lore, là. Là, je vous avoue, je me sens pas investi d'une mission, quoi. Si à un moment donné, on nous explique pas, je sais pas. Mais bon, c'est pas, on est là pour la découverte, en vrai. C'est dit. Ah oui, non, mais clairement, moi, je vous avoue, les jeux vidéo, il me faut une histoire. Il me faut, enfin, soit une histoire, soit vraiment un univers. Pour le coup, et comme je l'ai dit en début stream, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de jouer à Harry Potter en ce moment. Enfin, à Hogwarts Legacy, précisément. Et du coup, c'est compliqué de s'intéresser à d'autres jeux en vrai. C'est quoi, c'est le temple de l'eau, on est où là? Il y a un boss, il y a quelque chose. Mais c'est très Zelda en tout cas, mais. Je sais pas, dans Zelda, on nous explique la mission, les enjeux, et puis let's go, tu vois. Là, j'ai un peu de mal avec le fait qu'on nous explique rien. Oula. Un guerrier féroce dans les ténèbres. Écoute bien ce message. Mes frères sont tombés à l'aube des ombres. Moi aussi j'ai affronté les ombres de toutes mes forces. Mais la même destruction menace désormais mon lit de mort.
Au cœur de la ville, via les tunnels, vous y trouverez l'endroit où je repose, l'hôtel de la forêt. Pourtant, t'as un symbole d'eau, frère. Hein guerrier qui vainc les ombres grâce à sa lame. Aidez-moi, je vous en prie. Je vous attendrai. Bon. Là, déjà, on a une mission. Mais, ouais. Trouver l'hôtel de la forêt. Très bien. Ah, y'a... Ça fait pas plouf? Ah si, y'a un plouf. Faut que j'aille dans les égouts, quoi, vraiment. Et, vous savez, vous savez donner envie, vous. Bon, bah, on va aller dans les égouts, hein. Essayez de trouver des épées plus puissantes et d'autres objets intéressants. C'est un peu ça qui me fait peur aussi, c'est que ce soit trop Hollow Knight. Pour l'instant, ça me fait beaucoup penser à Hollow Knight, sauf que c'est en 3D. Mais un peu ambiance Zelda, quoi, mais un peu trop Hollow Knight pour moi. J'aime bien regarder Hollow Knight, mais je n'aime pas y jouer. Ok. Non, mais à quel moment je donne un coup, tu avances? Très bien. T'es très punitif, hein, putain. Faut mourir, monsieur. Ah, yes! Ça fait une petite bombe éclatée à la fin. Très bien. On saura pour le prochain. Oh bah, lui, ce qu'il a pris. Alors, le loot qui tombe dans les trucs empoisonnés aussi, c'est... C'est pas vraiment un plaisir, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeu de clés rouillé, aucun intérêt. C'est dit. Est-ce que je peux monter à l'échelle? Qu'est-ce que quoi? Ah. Grimper. Mais... Ok, je peux monter à l'échelle si je veux. Je vais pas. Non, mais non. Voilà. Merde, il est gentil. Oh merde. Bonjour voyageur, excusez-moi de vous avoir tapé monsieur. Je m'appelle Orip. Écoutez-moi bien à présent, j'ai voyagé loin. Je cherche et j'étudie les choses que j'aime le plus au monde. Les ascenseurs. Oui, je le vois dans vos yeux. On partage une passion pour les ascenseurs, on dirait. On va mettre oui. Ah oui, oui. Ce sont des machines fascinantes, c'est vrai. Jadis, il y avait des tas d'ascenseurs à Penumbra, transportant des voyageurs nuit et jour. Malheureusement, la plupart de ceux qui restent sont cassés. Dites, vous ne seriez pas en route pour Pierre-Cœur à tout hasard? Ascenseur? Les ascenseurs! J'adore les ascenseurs. Horrible, ça suffit. Essaye de rester calme, tu vas faire peur à notre ami. Bref, peut-être... C'est bien ce que je pensais. L'un des plus grands ascenseurs des tunnels arcaniques mène à la ville. Ça tombe bien. Malheureusement, il ne fonctionne plus. Et puis finalement, Maître Rip est arrivé. Je peux vous aider à réparer l'ascenseur. Si vous allez vers le nord, puis l'ouest, vous finirez par tomber sur l'ascenseur. Je vous retrouve là-bas. Je vais ouvrir la route. Ah oui, alors par contre, moi j'ai pas de boussole gros. Hein. Comment je sais, c'est nord-ouest Dans les jeux en 2D, ça va, c'est facile à se repérer. Mais là, on va suivre la route, hein, ça peut être pas mal. Quoi? Je me suis fait éclater, quoi. J'ai pas vu si c'était la caméra ou si c'était moi. Ah, j'ai encore oublié. Minerai de saphir, un saphir rare et précieux d'une grande valeur. Très bien, très bien. Très bien. Comment ça le coffre il est refermé? J'ai fait de la merde.
Ok. À quoi ça sert ça? Ok, on a encore un truc de vide. Je vous avoue que les trucs de vide, ramasser les lumières, c'est vraiment pas ce que je préfère. Il y en a un peu trop à mon goût là. Alors attendez. Pourquoi celle-là, elle est marquée? Ah, faut faire une émote dessus! Attendez. Ok, tout va bien. Tout va bien! Par contre, est-ce que je l'ai, cette émote? C'était comment les émotes déjà? C'était comme ça? Non, je sais pas. Ok, fermé. Bon, du coup, super, on nous donne des émotes et on n'a pas la bonne, quoi. C'est un peu bon. Chemin victorieux. Bah, let's go, on y va. Hein. C'est tellement casse-gueule. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça fait quoi? Je comprends pas. Ah ok, ça, je peux rebondir dessus. Ok. Coucou Moana, comment ça va? J'ai pas le son, mais c'est très joli ce nouveau Zelda. Mais pourquoi les coffres se referment? Ça me stresse. Hop. Youhou. Let's go. Il m'a l'air très très loin ce caillou. Bah oui. Ah, si j'attaque peut-être. Est-ce que je peux les focus? Ok, c'est passé. Ok, ok. On fait de la merde et ça passe, hein. Attendez, j'ai pas eu. Caméra. Ok. Nick. Ah yes. Est-ce que je perds de la vie en faisant cette merde là? Parce que je... Bon. J'ai pas fait gaffe. C'est bon. Nous sommes passés les amis. Oh non. C'est bon. J'espère j'ai tout. Hein. L'angoisse. Bon, on a eu un autre cœur. C'est plutôt pas mal de les faire. En vrai, la récompense, elle est bonne. Je sais même pas si c'est obligatoire de les faire, d'ailleurs. Bah si, puisque tout à l'heure, ça nous a débloqué une porte, quand même. Bon, c'est peut-être pas forcément obligatoire, mais un peu quand même, quoi. Attendez, si je fais une émote là-dessus, du coup... Ouais, bon, bref, allez, laisse-moi tranquille. Il y en a un paquet d'émotes en plus, hein. Il y a de l'eau. Ah non, c'est pas de l'eau.
Voilà, save. Bim. Je me suis trompé de touche en plein vol, je sais pas si vous avez vu. Ça a été un peu la panique. Ça du coup ça sert à rien, on a vu. Ouais, mais j'ai pas de plateforme donc non merci. Ah, je peux ouvrir ici. Yeah, par contre c'est extrêmement grand, tout ce qui est porte, etc. Comme si ça n'avait pas été fait par les gens de notre espèce. C'est très bizarre. Ah, je le sentais venir là. Est-ce que c'est attaque l'autre? J'ai l'impression. Merde, la protection. Non! Comment ça la protection dure pas? Mais elle dure combien de temps la protection? Je pensais que c'était genre. Ouh, ça c'est une clé de boss ça. Je pensais que la protection durait tout le temps moi. Je l'ai plus. Comment ça je l'ai plus la prot... Ah, mais j'ai une barre de magie, j'avais pas vu. Comment je la recharge? Ah, yes. Avec les trucs... Bah non. C'est pas avec les trucs bleus que ça se recharge, mais avec quoi? Le temps? Ça paraît bizarre que ce soit le temps. Tout ceci est très étrange. Bah là j'ai... Ah, la barre bleue, ça se recharge quand je me refais de la vie? C'est un peu punitif quand même comme truc. Talisman de feu. Un talisman créé par les dieux qui a le pouvoir de lancer de puissantes attaques de feu. Est-ce que moi aussi je peux lancer des attaques de feu? Yes. Charger et relâcher. Ah, ça va m'utiliser de la santé ça. De la santé du... Truc de feu. Comment ça? Putain, mais tout ce que ça a utilisé alors que ça m'a même pas envoyé un truc. Eh bien, qu'avons-nous là? T'es où? C'est rare de trouver des êtres vivants par les temps qui courent. En dehors des créatures de l'ombre, évidemment. On m'appelle le chasseur d'esprits. Après l'arrivée des ombres, j'ai parcouru cette ère pendant des siècles et des siècles. Et au fil de mes voyages, j'ai appris à faire beaucoup de choses. Au fil des ans, j'ai également réussi à maîtriser l'art de la chasse aux esprits. Écoutez-moi bien. Ça vous dirait de maîtriser l'art de la chasse aux esprits? Bah oui. J'ai ressenti en vous le désir de posséder d'autres âmes... non. Je vais vous expliquer, mon jeune apprenti. La chasse aux esprits, ce n'est pas compliqué. Au fil de mes voyages, vous rencontrerez des esprits. Bon nombre de survivants pourront également vous vendre ou donner des esprits qu'ils ont trouvés. Chaque esprit a un pouvoir spécial. Pour activer ce pouvoir, vous devez équiper l'esprit à un autel de feu. Quand vous aurez collecté un certain nombre d'esprits, revenez me voir. Partez chercher des esprits à présent. Faites-moi honneur. Que puis-je faire pour vous? Vous voulez vous procurer des emplacements d'esprits supplémentaires? Les emplacements d'esprits sont très rares, mais je pourrais vous en fabriquer. Vous devez m'apporter des objets rares, des âmes du vide. Si vous trouvez 60 âmes du vide, revenez me voir. N'oubliez pas de me rapporter 800 minerais pour mes services. Pas mal, vous avez assez d'âmes du vide pour un emplacement d'esprit. Non, non, non.
Non, mais putain, j'ai mis B là. J'en ai tout cassé. Lorsque vous collectez 10 esprits, revenez. J'ai une récompense pour vous. Alors, la chasse aux esprits, ça se passe comment? Vous n'en avez pas assez. Et n'oubliez pas de revenir avec 10 esprits. Ok, bon, on va lui dire au revoir à ce monsieur parce que, clairement, voilà. Collecter des esprits et équiper. Ok. Et du coup, c'est ça les esprits? Pichette, c'est pauvre. Je peux pas les libérer en plus. C'est la thune, ça? Oui. La thune! De la nourriture gâtée. Les vers sont partout. Super. Ah, je sais pas si j'ai envie de bailler ou d'éternuer, c'est terrible. On va prendre la thune et hop, on s'en va. Oula. J'ai peur. C'est quoi d'ailleurs qu'on a eu là-dedans? Je sais même plus. C'est très grave. Les petits troubles de la mémoire immédiate là? Ouais. Oh, des armes! Imprégnées de poison, ces armes devaient appartenir jadis à l'un des nombreux voleurs qui rôdaient dans les tunnels. Comment je fais? Ok. Fragment d'ombre. Bourse de base. Oh, elle peut contenir jusqu'à 3000 minerais. Oh, c'est vraiment une inspiration Zelda. Hein. Ça, c'est chiant, les limites de thunes là, ça me. Bref. Ça, c'est quoi, réceptacle à essence de feu? Ok. Le bouclier, il est même pas. Si, il est équipé, oui, je sais pas qui dit de la merde. Des âmes du vide, ah voilà. Ça, je voudrais équiper ça, s'il vous plaît. Ok. Elles sont stylées en plus. Oui, il y a différentes tenues. Ok, bon. Oula. Fait peur ce con. On peut aller soit par là, soit aller voir l'ascenseur. On va aller voir l'ascenseur. Parce que ça a l'air d'être un élément important. Comment ça, t'es cassé? Ok. Bon, du coup j'ai pas été voir partout en bas, mais bon. Croiser des tunnels.
Mais je peux ouvrir des portes très cheloues quand même, hein, parce que... Ça, c'est ouais, la clé du coffre, ok. Désolé, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. C'est genre hyper dangereux de traverser par ici, hein. Si la porte est fermée, ouais, je pétais un câble, hein. C'est... Je suis coincé. C'est bon. Vas-y, je vais marquer au coin, c'est dedans. Au cas où. Bon, l'autre, il est déjà là. Je crois que c'est là qu'on devait arriver, en vrai. Putain, mais... Je suis attaqué par... C'est quoi ce... Mais putain, mais... Je reviens.
Heureux, désolé, je me suis fait attaquer par une punaise, tout va bien. Ok. Vraiment. Bref. Bon, l'autre, il est un peu saoulant à taper, là. Bon, en même temps, il répare l'ascenseur, mais bon. Est-ce que ça dépend de la magie de Dash? Je sais pas. Regardez. Du minerai. Ça, je peux plus en prendre. En vrai, j'ai un peu de mal avec le jeu, je le trouve pas très rigolo. Enfin, très rigolo. Après, c'est pas censé être très rigolo, je pense, mais je sais pas. Vous avez réussi! Voici l'ascenseur nord-ouest. Il vous mènera à Pierre-Cœur. Il semblerait qu'Humbert était là pour admirer ce bébé. Bref. Je peux vous aider à réparer cet ascenseur, mais en échange, vous me donnez 2400 minerais. Je suis maître RIP après tout. Voulez-vous que je répare l'ascenseur pour 2000? Bah non, j'ai pas les moyens en fait. Vite, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon on va lui faire peur. Dites-moi. Vous pouvez me payer plus tard, mais le prix sera doublé. Bah non. Fort bien. C'est le seul chemin pour atteindre la ville. Bonne chance. Quel connard. Après, est-ce que je suis vraiment obligé de le payer plus tard? Enfin, genre, je peux jamais lui reparler, peut-être. Est-ce que j'ai envie de tenter? Bon. Mais oh ouais non, oh j'ai pas envie de retourner là-bas, vas-y laisse tomber. Faut lui payer, on va dire plus tard. Allez. Non. N'oubliez pas que vous devrez me payer. Et non, attendez un instant. Allô le jeu? Parfait, l'ascenseur est prêt. Bah let's go. Si vous avez un peu de temps, une fois à Pierre au cœur, n'hésitez pas à venir me voir là-bas. Bah oui, bien sûr, je vais jamais trouver vraiment mec. Hein. J'ai pas l'intention de te payer, donc bon. Attention, ascenseur menant au tunnel machin. Personnel du tunnel autorisé uniquement. Putain, mais c'est hyper dangereux ici. Vous avez pas un... Comment font les employés pour venir en fait? Pas très fan de ce système. Le fait que ce soit un peu à la Dark Souls, like. Non! Tout qui se rejoint là. Je vais crever. Tout ce qui se rejoint, différents moyens de d'y arriver, etc. Je suis vraiment pas fan de ça. En bas. Il y a de la thune, j'y vais.
Super, ça m'avance à rien du tout. Je suis coincé. Oh putain, vraiment. Allez, la thune qui tombe. Un plaisir. Allez, tout qui tombe, on est content. Du minerai, très bien. Ça c'est pareil, on récupère des trucs, mais on sait pas à quoi ça sert, même la thune que je casse là, je suis pas sûr de la ramasser. Ça me dérange un petit peu. Merde, ah, merde, merde, merde. Pourquoi on est de l'encre en fait? Ok. Ok. Oh, de l'herbe. Ça fait du bien en vrai. On est la toune. Inspecter. Reliques anciennes. Ok. Ok. Non, personne ne l'a vu, je crois, Anna. Que personne n'a parlé entre deux, je crois que personne n'a vu. Ça, voilà. Vide de pierre au cœur. Mais je suis très partagé sur le jeu, hein, je vous avoue. Je trouve que le jeu est magnifique, mais en même temps, je m'amuse pas tellement. Mais le gameplay n'a pas vraiment de soucis non plus. Je sais pas quoi vous dire, je... Je suis un peu... Comment je suis sad? Ha ha ha! Eh oui. Eh oui, oui. Bah Mona, il est au taf. Donc il a pas le son. Donc il m'a pas entendu gueuler comme une merde. Et sinon, je pense que les autres sont en lurk. Hop! Oh! Bonjour. Bonsoir à vous. Je vous attendais. On m'appelle Harry Last... L'artisan, j'arrive plus à lire en fait. Mais vous pouvez m'appeler Harry. Cela fait des siècles que ma famille se consacre à l'art de faire des tuniques, des épées. Ah, je veux. L'aiguille du destin m'a parlé. Vous avez anticipé notre rencontre il y a des années de cela. Je ne sais pas trop qui vous êtes. Je ne sais pas quel est votre rôle par ici. Quel est mon rôle dans votre voyage? Me filer des fringues et des épées? Peut-être? L'aiguille m'a demandé de vous aider. Comment puis-je vous aider?
Acheter, mais comment ça? Mais tout le monde veut ma thune, là, j'en ai marre. Orange, mais qui veut s'habiller en orange? Oh, ça j'aime bien. Tenue arc-en-ciel. Non mais 5000 aussi, voilà. Après on va dire j'ai des goûts de luxe. Oh, la tenue violette, j'ai les sous, je veux ça. Oui. Attendez, on va peut-être regarder les autres avant quand même. Pas non plus... Non, la violette. Elle est où? Il me l'a direct... Bah oui, il me l'a pris en fait. Ok. Très bien, peut-être une autre fois. Que la reine soit avec vous. J'avoue, je suis sur Pokémon seul. Mais y a pas de soucis, Virginie. T'inquiète pas. La tunique violette. Oula, c'est violet. C'est violet, violet, quoi. Oui, bon, bah, ça m'a coûté des sous. Je vais la porter, hein. Bon, déjà, mon look me plaît un peu. Mais je crois que tu vendais des épées aussi, toi. Il a menti. Un menteur de type mensonge. Non mais non mais putain mais dès que je fais B, s'il veut acheter aussi lui à l'aide. Que la reine soit avec vous, très bien. Je ne sais pas qui est cette reine mais très bien, très bien. T'as pas de la thune chez toi là? Ah, la thune. Oh, c'est les mots de quoi ça? Mais j'ai pas leurs émotes, je suis abattu. Tu vois, au début du jeu, il pourrait au moins nous filer un truc où on a la bonne émote quoi. Moins pour qu'on voit ce que ça fait, ce qu'il faut faire. Je sais pas, je suis un peu... Je perds de la vie hein, quand je fais ça. C'est confirmé. Mais... Hop, allez. Allez hop hop hop. Ça se casse ça? Non évidemment. Atoun! La thune encore. Je rentre chez les gens pour les voler. Hein. Il fabrique des choses lui. T'as pas des armes là pour moi? Comment va mon fanat d'ascenseur préféré? Oh putain merde! Comment ça s'est passé avec le des ascenseurs? Ils sont fantastiques, n'est-ce pas? Ah, au fait, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais... Vous me devez du minerai, j'espère que vous n'avez pas oublié. Je n'ai pas oublié. Ça y est, vous allez me payer? Vous allez me donner 4800 minerais? Au revoir. Non? Je croyais qu'on était amis, traître. On ne peut plus faire confiance à personne. Vous pouvez y aller. Putain, heureusement, je lui ai dit que je voulais jamais le revoir, lui. Il y a un coffre là-bas. On saura qu'il faut pas revenir ici. Ok, si je dash, on meurt pas. Oh, je peux aller là. Mais je voulais aller au milieu, là. Je ne vous avais pas vu. J'étais en train de m'entraîner. Vous n'avez pas vu? Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas d'ici, vous, je me trompe. C'est un vrai bonheur de voir de nouveaux survivants. Vous pouvez m'appeler Wolfgang. Depuis que je suis en ville, je n'arrête pas de penser à son temple. Il y a quelque chose qui m'appelle à l'intérieur. Jadis, j'étais la demeure d'un dieu du nom de Nuos. C'était... Pardon. Vous pensez que c'est vrai? On a failli se scratcher. Ben, on peut pas rentrer, super. Tout ça pour ça, quoi. On va aller là-bas, hein. Putain, mais j'ai l'impression que la moitié de la thune ne va pas dans mes poches, hein. Je suis pas ultra convaincu par ce système. Ça m'emmène où, ça? Il y a la thune ici? Là-bas. J'ai FK Club Jorving. Ok, bon fumage.
Inspecter. Ok. Ça, c'est les espèces d'indices, le pierre machin, là, mais... C'est un peu éclaté. Ok, couloir sombre. Ah ok, j'arrive ici, c'est un raccourci, très bien, demi-tour. Par contre, comment je fais pour revenir moi? Ok, c'est bon, ça me sauvait. Ah, j'ai 3000 minerais là. Merde, ma bourse ne peut pas contenir plus. Il faut que j'aille dépenser. Nice. Je vais vers la porte. Attendez, je vais dépenser ma thune avant de partir dans un donjon là parce que ça va pas le faire. Ok. Alors, oui, mais comment je fais revenir là-bas? Peut-être en allant en face. Ou en remontant chez lui là, peut-être. Moi ça me paraît pas trop mal. Ok. Si je fais pas de la merde, ça devrait... Je fais full merde. Bon, ça passe pas. Je fasse le tour. J'arrête de ramasser la thune, je peux pas en prendre plus. Bonjour. Mais... C'est Link. Para, garçon perdu. Vous m'avez fait peur. Je pensais que vous étiez une ombre. Je me sens si seule. Ma maman me manque. Elle est sortie il y a quelques jours, mais elle n'est jamais revenue. J'espère qu'elle va vite revenir. Si vous la voyez, dites-lui de rentrer, je vous en prie. Elle me manque beaucoup. Il est en train de regarder quoi, lui? C'est une pierre du vide et... Ok. 100% sa mère est morte, hein. Comment je vais revenir chez l'autre, là? On va essayer d'aller d'aller par là, mais je suis pas convaincu. Chemin abandonné, ça donne envie. Là il y a un autre truc du vide mais ça me paraît un peu loin en vrai. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est trop loin. Rendez-vous à un hôtel de feu pour vous équiper d'esprit. Maintenez le bouton de saut enfoncé pour gagner de l'altitude. Comment ça? Oui, non, c'est juste sauter plus haut, en fait. Ça, on me l'avait déjà dit, en fait. Je vois une clé du cimetière. Bah, yes. Je l'ai pas, donc... demi-tour.
Mais putain, je suis quand même pas coincé ici. Comment je vais faire? Je suis où là? Je suis l'entrée du cimetière, c'est encore pire. Ouf, c'est juste, hein. Merde. Dans mon avis, ça passe de justesse, mais... La thune, ça repop, c'est déjà bien. Putain. Bon. Allez, tant pis. On va ramasser de la thune pour rien, on adore ça. Il va falloir que je trouve une bourse plus grande parce que bon. C'est très problématique ça. Ça fait tellement Zelda, putain. C'est quoi ça? Nios, guerrier féroce qui va et vient dans la nuit éternelle. Vous êtes venu. Ah bah c'est le mec qu'on devait aller voir, non? Hélas, la corruption a déjà contaminé tout mon peuple. Et mon pouvoir est affaibli. Guerrier de la nuit. Dans mon temple, il y a un puissant gantelet. C'est totalement Zelda. C'est moi qui l'ai fabriqué autrefois. Dans ces heures de désespoir, alors que les ombres entourent mon dernier souffle, je vous le demande, guerrier. Allez au cœur de ma grotte. Trouvez les griffes. Et grâce à leur puissance, détruisez les ombres qui submergent mon âme. Bon, on va le voir ça. Succès. Détruisez la corruption sylvestre. Ok, il y a un esprit là-bas. Je peux aller dans l'eau ou pas? Non. On ne peut pas. Dans ces cas-là, pourquoi il y a une échelle? On va essayer d'aller de l'autre côté. Mais attention, il est près du bord, lui. Ouais. Changer le niveau de l'eau. Oui. Ok.
Allez, plouf dans l'eau, le loot. On adore. Je peux rien lui lancer. Un rubis. On n'a jamais eu de rubis encore. Et le loot? Non, pas dans l'eau. Une clé ancienne. Putain, toute la thune, ça me fume. Alors qu'ils m'ont empêché de la dépenser, quoi. Et coucou! Oui, je suis en retard, ça partait sur Tinder et chez l'eau. Ah là là! Comment ça va? Putain. Allez, deux! Ok, vite, vite, vite. Comment ça? Ça marche pas? Ok. Ça va? Bon. Nous on est sur Blue Fire, c'est clairement un Zelda-like. Hein. Mais on monte bien. Ce qui est problématique hein, du coup. Et je peux grimper sur les trucs ou... Bah non. Il semble bien que c'est un pouvoir qu'on n'a pas, ça. Et je me suis fait aussi attaquer par une punaise IRL. Hein. Tout va bien. En stream. C'est un plaisir. J'avais pas vu le coffre. Bon, on va aller voir ce qu'il y a là. Ok. Faut quand même que je les pète les trucs, parce que si je trouve un truc bleu, ça pas mal. Allez, vas-y, donnez-moi de la thune alors que ma bourse est pleine, hein. Y'a pas de soucis. Utilisez la clé, oui. Mais bon, c'est un peu tellement Zelda que c'est limite du plagiat, hein. C'est un plagiat entre Zelda et Hollow Knight, hein. Et coucou Elodie, merci pour le raid. Comment s'est passé ton stream? Merde, y'a besoin de clés partout ici. Coucou Pika. Bah franchement, je suis un peu déçu. C'est clairement un mélange entre Zelda et Hollow Knight. Mais moins bien. Du coup, je suis un peu... Ouais. La DA, j'aime beaucoup. Le gameplay, ça va. Mais je sais pas, je me sens pas... Enfin, je dis le gameplay, c'est ok, mais en fait, le combat, je les trouve pas si excitant que ça, en vrai. Il n'y a pas d'esquive plus que ça. Après, je suis en normal. Je suis pas en difficile, mais bon. Mais oui, un peu de tristesse. Un petit peu, un petit peu. C'est quoi dédicace? Attends. Ah oui, attendez. Je suis au pied là. Je sais même plus comment on fait. Hein, la commande. Est-ce que vous voyez aussi dédicace? Ou c'est moi qui... C'est que pour vous, moi. Yes.
Mais bon, je pense que ici tout le monde la connaît, bien sûr. C'est automatique, d'accord. J'avais pas vu. Mais ils ont changé plein de trucs sur Twitch dernièrement, je trouve. Ah, c'est toi qui as fait, mais comment t'as fait? Ok, coffre là-bas. Merde. Mais ouais, comment on fait ça? Ah, c'est juste SO. Ah oui, ok. Ah. Ils ont intégré ça du coup. Alors que moi, je me suis fait chier comme un fou pour faire cette commande sur Wastebot. Qui a été un enfer à faire, hein, je tiens à le souligner. Ah. Bon, allez, vas-y, va pour la droite. Ouais, je regarde un. Ah ok, c'est super. Va te faire foutre le jeu. Enfin, va te faire foutre moi-même, en fait. Le jeu m'a dit non. Oui. Et même les portes et tout, c'est tellement Zelda. Enfin, c'est... Je suis un peu... Même ça, hein, c'est typique. Oh putain, oui, j'ai plus de... Je voulais refaire ma vie, mais j'ai plus de... J'ai plus de trucs bleus. Ça craint du boudin. J'aime beaucoup la DA, c'est ce qui m'avait beaucoup plu. Il est où le machin? Et... mais je sais pas, je m'ennuie un peu sur le jeu. Je me sens pas trop investi. La clé sacrée. Très bien. Et le jeu me donne pas de vie, en fait. C'est un peu chiant. On va retaper les machins, bah non, il me donne que de la thune alors que ma bourse est pleine. Super. Super. On aime ça. Il me reste même pas de cœur. Et moi de la vie, bande de bâtards. Bon, on va se faire péter, hein. Mais c'est tellement ça, c'est vraiment Zelda. Hein. Le perso, c'est Zelda Wind Waker. L'environnement, ça me fait beaucoup penser à Twilight Princess et Breath of the Wild en même temps. C'est bon. Putain, tenez-moi de la vie. Oh, mais c'est trop là, c'est trop, donnez-moi de la vie. Bon, ça je sais pas pourquoi je les ramasse alors que ma bourse est pleine, hein, mais bon. Bon. Eh bien, très bien. Les griffes de Nuos. Un jeu de griffes très ancienne créé par Nuos lui-même. Celui qui les porte acquérir la capacité de marcher et... Ah, ok. Je... J'ai la ref. Sauter contre le mur, appuyer pendant la course. Okay. Je peux le tester ici ou pas du tout? Ah, nice. Okay. C'est sur tous les murs, du coup. Ça, c'est cool. De la quoi? J'ai pas... Qu'est-ce que j'ai dit comme dinguerie encore? Je sais plus d'où je viens, putain. Ah, c'était pas là. Sous, c'est là. Ah non, c'est pas là non plus. Dernière porte, du coup. Mais là je crois que c'est mort, hein. Ils vont pas m'en donner du tout. Ah aussi, putain, merci. Ah voilà, c'est quand même pas si compliqué que ça, quoi. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ce... Mais je peux pas attaquer à distance, donc c'est chiant en fait. C'est bon. Lâche le putain. Allez, éclate-moi derrière, j'adore ça.
pas du tout, c'est faux. Ok. Ouais. Alors, est-ce que là, vous allez me donner de la vie? Je peux vraiment aller me faire foutre, hein. Ah! Voilà. Ok, bon. Déjà, on a une réserve. Oui. Et en plus, vous voyez, typiquement, dans Zelda, j'aurais sauté d'en haut, là, dans l'eau. Mais là, on peut pas, parce qu'on ne peut pas aller dans l'eau. Je suis abattu. Oui, bon, je devrais aussi arrêter de faire le con. Ça pourrait être pas mal. Ok. Oula, attention à l'eau. Hop. Putain. Oh putain, ok. Un rubis. Ok, bon. Coucou toi. Ah oui. Bah, ils m'ont pas donné les trucs. Ah yes, ça faisait longtemps. Donc ça c'est clairement dans Twilight Princess. Il faut récupérer les trucs de lumière, les perles de lumière. Sauf c'est de la plateforme pure. Il n'y a pas d'ennemis, enfin en tout cas. On n'en a pas eu jusque là. Dans ces trucs là en tout cas. Mais c'est vraiment ça, je suis vraiment abattu pour le coup, je suis bon. Vraiment. Oh putain, oh par contre c'est horrible. Vraiment. À l'aide. Ok, Non mais... Mais... Qui a eu cette idée de merde? Je vais tomber dans le vide en plus avec leur connerie là. Il n'y avait pas d'autre. Putain, vraiment. Des bisous Elodie. Prends soin de toi aussi. Minerai du vide, ok. Ok, ok. J'espère que j'en ai pas loupé. Hein. C'est extrêmement loin. Il n'y a pas... Comment ça, il n'y a pas plus près là? Putain. Il y a trop de trucs au pixel près, genre vraiment, c'est un peu abusé quoi. Ok. Mais laissez-moi redresser ma caméra, s'il vous plaît. Je sais tous, ouais, c'est bon. Après ça c'est cool, ça nous donne un cœur à chaque fois, mais putain, l'angoisse. En plus j'ai mon... J'ai OBS qui a freeze, trop bing. J'ai plus de retour. Si jamais... Ça va jusqu'où ça, ok. Oh l'angoisse, putain. Quoi? J'ai plus de... Mais comment ça? Mais... Non mais attendez, c'est très grave, j'ai qu'un seul dash. Ouais, j'ai vu que ça marchait toujours, mais ça m'est arrivé l'autre jour aussi, depuis qu'ils ont fait leur putain de mise à jour, là. Et en gros, bah ça a freeze, mais ça marche toujours. C'est juste que moi, j'ai pas de retour, quoi. Mais attendez, mais c'est très grave. En plus, c'est chiant, on peut tester nulle part, il y a de la flotte partout.
Donnez-moi un endroit où tester. Genre, si je dash et que je fais ça, je peux pas redash. Oh putain, l'enfer. Ok, je peux dash qu'une seule fois et sauter. Là, de toute façon, je suis obligé de dash. Ah mais jamais je saute assez haut. Bah ouais, mais si tu recours pas sur le mur aussi. Ah là là, merci Pika. Ok. Allez. J'adore ça. Alors là. Ok, bon. Bah, on va aller en face. Mais putain, j'ai envie de tout casser. Ok. Ah, c'est de l'herbe, c'est pas de l'eau. Let's go, lui démonter sa gueule. De toute façon, j'ai pas la clé ici. Utiliser la clé. Et on en a pas. Ok. Une raie de rubis. En plus, quand on prend des dégâts, pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez marquant. On voit pas tellement. On a l'impression que. On est trop fort alors que pas du tout. Oh! Attendez. Non mais. Voilà. Allez, je pense ça. Ça, c'est le boss, quoi. Bah, c'est un enfer, hein, par contre. Ok. Mais du coup, non, en fait. Je sais même pas où c'est. Ah, c'est chronométré en plus. Je sais même pas où c'est. C'est là-bas. Faut que je fasse bim bam boum. Bam. Par là. Tac 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 tac. Par là. Putain, merci l'herbe. Hein. Allez. Ok.
Mais putain, vraiment. Vraiment, c'est une blague. La première fois, c'est passé crème. Et à mon avis, les amis, vous êtes pas prêts de revoir ce jeu. Hein. Et j'ai dash en plus comme un débile. Non, c'est bon, c'est passé. Il est beaucoup, beaucoup trop punitif et pas fun en fait. Vraiment. Je comprends pas comment passer ça. Et l'autre, il... déjà, ça a pas l'air simple. Et l'autre, il aide pas du tout. Je pense qu'il faut que je marche. Mais est-ce que je peux marcher? Non, je peux pas marcher comme ça et faire le tour. Si je fais ça... Putain. Oh, ça m'expulse du mur. Non, franchement, il est pas fun du tout le jeu. Il... Bah... Bon. C'est pas comme un Zelda, il n'y a pas l'ambiance qui va avec... Peut-être que je sais pas. Non. Mais bon, je suis quand même content parce que je voulais le tester. La DA me hypait de fou. Mais là, là, clairement, c'est un non. Et putain. Vraiment. Essayer de faire le parcours quand même. Mais merde, c'est vraiment dommage. C'est déjà bon. Essaye de comprendre comment passer. L'autre machine. Ah, c'est par là qu'il fallait passer en fait. Ouais, mais putain. Allez. Non mais c'est un enfer. Et bon, au bout d'un moment. En plus, on peut pas attaquer à distance. Ah, quoique si, attendez. Comment on faisait déjà? Oh, puis l'herbe là. Attendez. Je sais même plus comment on faisait. C'était comme ça. Et après, ouais, voilà. Et c'est censé faire un truc, sauf que ça fait rien. Est-ce que je peux attaquer d'en bas, par exemple? Mais attendez, mais comment je fais pour me... Ok, déjà, problème en moins. J'ai appris un nouveau truc du gameplay du jeu. Il peut pratiquement se TP sur les ennemis. Hein. Sauf qu'il n'est pas capable de sauter plus haut que rien du tout. Mais... Hop. Il est revenu ou je rêve? J'ai entendu le voir. Ah, c'est les autres là-bas.
Oui, on est d'accord. C'est honteux. Donc ils veulent que je fasse. Mais je comprends pas vraiment. Je suis déjà en. Ouais, non, faut que j'aille là-bas, je pense, mais. Comment tu peux faire sans recommencer le truc un milliard de fois en fait? Je vous avoue, j'ai pas envie. Hein. S'il y a un ennemi, je peux faire ça, mais je peux pas après dasher. Pour sauter sur un truc, c'est pas logique, ni très fun. Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Ça sert à rien de continuer. Je voulais faire une découverte, je suis content d'avoir fait ma découverte. Parce que je voulais vraiment le tester, ce jeu-là, il me plaisait de fou. Finalement, c'était le gameplay qui me faisait peur et bah, j'avais raison. C'est pas très fun. Même là, j'ai de la thune, j'ai trouvé un mec pour dépenser ma thune et acheter mes tuniques. Après, je l'ai dépassé, j'ai regagné de la thune, j'ai voulu y retourner, je peux pas y retourner. C'est chiant en fait. Mais oui. Là, franchement, j'ai pas. Non. J'accroche pas du tout au jeu, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous faire des bisous. Du coup, c'est cool parce que ça fera un nouveau jeu pour la semaine prochaine. Et du coup, comme je le disais en début de stream, on passera, je pense, sur du Harry Potter. Puisque en ce moment, j'ai qu'une envie, c'est de jouer à Harry Potter Legacy. Et du coup, comme on avait fait le Harry Potter à l'école des sorciers sur GameCube et sur PC, là, on fera la chambre des secrets sur PC. Et sur GameCube, on fera aussi le 3, je pense. On fera peut-être tout à la suite en mode full Harry Potter. Et pour Hogwarts Legacy, je vous le streamerai. J'ai prévu des choses, j'essaie de négocier, etc. Parce que normalement, ça tombe soit un lundi soir si ça sort à minuit, soit un mardi dans la journée. Mais en tout cas, à la minute 1, je serai dessus. Je sais pas si ça a marché. Je sais pas si ça a changé de scène. Vu que j'ai mon retour qui est freeze. On fera ça. J'ai prévu avec Anna de faire le stream découverte avec elle. Donc elle sera avec moi en vocal et elle découvrira le jeu aussi de son côté. Donc voilà, j'ai prévu tout ça. Parce que bah, je sais que voilà, la minute 1 où il sort, je suis dessus, je suis en stream dessus. Voilà. Mais ouh, t'inquiète pas Virginie, ça arrive, hein, c'est pas grave. C'est aussi pour ça qu'on fait des découvertes et que je stream comme ça. Mais je m'en doutais un petit peu, je vous avoue. Voilà. Mais voilà, j'ai prévu tout ça pour Hogwarts Legacy. Donc j'ai très très hâte qu'il sorte. Et mine de rien, ça va arriver vite, hein, parce que là, moi, pour vous tenir un peu au courant, le 18 janvier, je me fais opérer. Donc la semaine du 18, vous n'aurez pas de stream. Je crois que le 18, oui, 18 c'est un mercredi, c'est obligé que ce soit un mercredi. Donc vous n'aurez pas de stream le 18. Le 17 d'ailleurs, le mardi 17, vous n'aurez pas d'ASMR. Le 18, 19, vous n'aurez pas de stream. Le dimanche non plus, vous n'aurez pas de stream. Et après, quand je rentrerai de l'hôpital, je reprendrai les streams tranquillement. Mais du coup, ça va venir très vite. Voilà. Ouais, je me refais opérer le 18 janvier là. Oui, toujours, mais de toute façon, j'en ai pour encore une dizaine d'opérations, je pense, Pikachu. Donc là, il me reste que ça à faire. Et c'est. Voilà. Donc, ouais. Voilà. Ça, on continue le processus. Mais là, on a normalement terminé la partie cool. Donc, on va entamer le jeu qui s'est mis en pause bizarre. On va entamer la partie moins cool, on va dire. Donc, avec potentiellement pas mal de complications, etc. 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 Donc on va voir ce que ça donne et puis voilà. Oui, bon t'inquiète pas, de toute façon comme d'habitude je serai à l'hôpital et puis je serai quand même avec vous hein, sur Discord, etc. Puisque j'apporterai bien sûr mon PC. Donc je serai avec vous là-dessus. Je laisserai, je pense même Popcorn, comme ça me permettra aussi de me changer un peu les idées. Donc voilà, le lundi, le mardi il y a Popcorn et pas vendredi je pense. Je pense que je serai toujours à l'hôpital, mais que. En vrai, il n'y a pas de raison que je puisse pas regarder Popcorn. Donc voilà. Et merci beaucoup. Et bien là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais voir vite fait s'il y a quelqu'un que je connais qui est en stream. Pop, 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 pop.
Voici la Shelly. Ah, mais il y a aussi Mister Reservoir Dogs. Il y a aussi. Alors, vous voulez quoi? Vous avez le choix entre. Attends, c'est quoi sur quoi elle est là? Five Nights on at. Je connais At Freddy. Je sais pas, c'est quoi? C'est un jeu d'horreur ça? Je vais aller check. Ah, j'ai une pub YouTube évidemment. Ok, c'est un jeu d'horreur. Alors, vous avez le choix entre un jeu d'horreur, vous avez le choix entre Sea of Thieves et Grounded. Vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Et vous avez aussi. Ah, il y a. Attendez, il y a. Je vais checker. Qu'est-ce qu'elle fait? Sinon, vous avez de la discussion création, je crois que c'est du coloriage. Voilà, vous avez le choix. Oui, il y a des drops aussi sur SET, faut que je m'y mette. Donc, vous avez le choix entre du coloriage, c'est ça, voilà. Du coloriage, un jeu d'horreur, Sea of Thieves et. Qu'est-ce que j'ai dit? Et un. Bah, c'est tout. J'avais pas. Et Grounded. Putain, je vais y arriver. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, bon, t'inquiète, hein. Je sais même pas si les drops sont disponibles sur tout le monde, donc en vrai, faites votre choix, voilà, choisissez. Hop. Go le coloriage, très bien, un vote pour le coloriage. Allez, let's go. Elle est gentille en plus, ça fait de la SMR. Ah oui, non, mais j'ai mon truc à full freeze. On va voir si ça marche. Je vais faire ça sur mon propre chat là-bas parce que. OBS en PLS en fait. Voilà, là ça fonctionne. Yes. Let's go. Eh ben, bonne soirée à vous. Des bisous et prenez soin de vous. Bye bye.